Question 11. The table shows experimental values of two variables x and y. Alors, nous avons une table qui peut montrer nous une valeur x et une valeur y. It is known that x and y are related by this equation where a and b are constants. Alors, nous remarquons que l'une de nous une équation qui peut connecter x et y. Première partie. A straight line graph is drawn for this information with y over x on the vertical axis states the variable which must be plotted on the horizontal axis. Alors, il peut essayer de dessiner une straight line. Pour dessiner une straight line, the vertical axis, il peut dessiner y over x. Alors, notre équation ici dit y is equal to ax power 3 plus bx. Alors, n variable qui nous peut plotter the vertical axis, c'est pour y over x. Alors, qui nous capable faire avec cette équation là? Nous capable diviser tout ben terme par x. Si nous faisons depuis y over x is equal to a x cube divisé par x fait x square plus bx divisé par x fait b. Alors, ça c'est nos equation. Alors, vous trouvez le format y is equal to mx plus c, de plus y et na y over x égale m, valeur m gradient type a. Et de place x et na x square plus y intercept ici du coup b. Ok? Alors l'indien nous peut plot, si vous êtes bien, d'après l'information, il peut plot y over x. Ok? De place y pour na y over x. Et de place x nous peut besoin na x square. Et ça même l'indien demandé de première partie. State, the variable which must be plotted on the horizontal axis, the vertical axis nous peut plot y over x. Et de horizontal axis, notre première partie réponse pour bien x square. Nous pouvons plotter x square de horizontal axis. Deuxième partie, draw this straight line graph. Alors pour nous draw ce straight line graph là, nous pouvons modifier notre table of values de place x pour x square. Alors nous faisons le draw pour x square. Tout ça en valeur x qui nous est là, nous faisons ce square. Allez, premier, 2 ce square fait 4. Deuxième, 4 ce square fait 16. Troisième, 6 ce square fait 36 et quatrième, 8 ce square fait 64. Next, de place y-axis, de vertical axis, nous prenons y over x. Alors, tout ça en valeur là, nous prenons y over x pour chaque paire. Y over x, nous fait 9.6 divisé par 2 et 9.6 divisé par 2 fait 4.8. Next, 38.4 divisé par 4 fait 9.6. 105 divisé par 6 fait 17.5. Et dernier, 232 divisé par 8 fait 29. Alors, nous avons des coordinates de place x et y. Nous pouvons plot y over x against x square. Alors, première coordinate qui nous pouvons plot, c'est 4.8. Deuxième, c'est 16, 9.6. Troisième, c'est 36, 17.5. Et dernier dans l'épouse, 64,29. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous prenons un graph paper. Ok, je prends un graph paper. Ok, nous prenons un graph paper. Là, nous faisons un scale. Ici, y over x. Ici, nous faisons x square. Nous faisons un scale. Ok, de horizontal axis, nous pouvons prendre 1 unit. Ça veut dire un gros carré pour représenter 1 unit. De vertical axis, vous pouvez pénétrer beaucoup de valeur. Là, vous pouvez quitter 2 gros carrés pour représenter 1 unit. Ou guetter où? Vous faites un assez gros scale, ok, pour les fit ou pass graph. Next, nous pour dessiner, nous pour plot ce même point là, quand nous finis plot ce même point là, pour gagner straight line. Next, ça même qui nous demande de deuxième partie, draw this straight line, plot ce même point là. Right, nous finis gagner straight line. Là, nous répond une troisième partie. Use your graph to estimate the value of a and b. Alors nous trouvons qui a, il pour représenter gradient, gradient qui pour venir a. Ok, et vertical axis se intercepte, l'idée pour venir B. Alors, qui nous fait? Nous mettons code graph là, les coupe nos vertical axis. Ok, d'après moi, mon graph, je trouve qu'il peut couper le 3. Alors, c'est même qui pour venir nos vertical axis se intercepte, alors valeur B. Right? C'est même qui pour venir sa y intercepte là, ou valeur B pour venir 3. Ok, et que vous trouvez la réponse indienne où valeur B est capable en 3.2 et plus ou moins 0.4. Il n'y a pas besoin de sa range là. Alors, mon valeur est dans sa range là. Ok, ça veut dire 3.2 plus ou moins 0.4, veut dire qu'il peut commencer à 2.8, il peut jusqu'à 3.6. N'importe qui valeur de sa range là, il est pas acceptable. Alors, moi, mon valeur B, d'après moi, mon graph, il est 3. Next, pour nous gagner gradient, ça même qui pouvait nous valer A, gradient. Alors, on prend 2 points sur coordinates, ok, n'importe qui 2 points, l'eau, la ligne là. Ok, moins 2 points qui m'ont trouvé, c'est 5.5, avec l'autre point, c'est 60, 27.5.
OK, ignore le gradient pour formule y2. y2, nous prenons les 27,5, retirer y1, les 5, over x2, les 60, retirer x1, les 5. Alors, si je peux évaluer, je peux trouver réponse. Les pour moi, les pouvines 0,409. Et toujours, pour vous inquiéter sur vos réponses, les de sa range qui nous donnait là, mon réponse, les de sa range là. OK, alors, nous valait M, ça même qui pouvait nous valait A. OK, valait A c'est gradient, alors où valait A 4,09 et valait B mon gagné 3 pour la troisième partie. Next, quatrième partie. Estimate the value of X for which 2y is equal to 25x. Alors, qui nous capable faire ici? Nous avons X là à gauche et 2 là à droite. Et vous venez Y over X is equal to 25 over 2. Y over X pour 25 divisé par 2 fait 12,5. Alors, vous trouvez qui? Y over X axis, là, il égale 12,5. Alors, qui me fait? Je dessine une horizontal line qui peut couper Y over X axis le 12,5. OK? Alors, ça, c'est horizontal line qui peut couper. Ça, c'est la ligne sur l'équation. De place Y, rappelle bien, il y a Y over X. Ça, c'est Y over X égale 12,5. Là, qui me fait? Côté graph line zone, je lis sa valeur. Alors, d'après mon graphe, je vais trouver qui valait là pour 23,5. OK, nous répondons quatrième partie. Alors, ça, c'est pas X, c'est X square. X square égale 23,5. Nous valons X pour V. Nous prenons square dans le côté. D'habitude, V plus ou minus square root. Mais il demande une value of X. Alors, value of X. Ici, vous trouvez qu'il nous donne valeur X est positive. Alors, nous prenons positive square root de 23,5. Ou vous trouvez qu'il nous valeur X pour V. 4,85 correct to three significant figures. Ça, c'est quatrième partie. Question 12. The table shows experimental values of variables x and y. Première partie. By plotting a suitable straight line graph, show that x and y are related by this equation where a and b are constants. Alors, nous avons une équation. Nous équation, première partie. Nous équation y is equal to a b power x. Nous pouvons dessiner une straight line avec sa équation. Alors, pour faire l'évine de format y égale mx plus c, ce general format, nous avons besoin de descendre ça x en bas. Pour ça, nous avons besoin d'appliquer log on both sides. N'importe qui base, nous appliquons, comme nous avons exemple, log to base 10, LG. Nous appliquons LG on both sides. Si nous faisons ça, là, là, on peut trouver qui, là, nous sommes capables d'appliquer multiplication law of logarithm, l'évine LGA plus LG B power x. Next, nous avons LGY égale LGA. Plus XLGB, nous rearrange, devine LGY égale LGB fois X plus LGA. Là, vous trouvez où l'équation devine de format Y égale MX plus C, mais de place Y pour la LGY, gradient là, li LGB, et de place X et la X même, plus nous valeur C pour égal LGA. Et déjà, nous pouvons bien plot LGY, quand nous pouvons plot. Nous avons besoin de plot LGY against X. Là, nous gradient de LGB. Et que nous Y intercept ici, nous valeur C de LGA. OK, alors nous plot. Nous dessinons nous X value. OK, ça de la horizontal axis. Mais de place Y, nous prenons LGY. Nous avons besoin de faire l'autre jour pour LGY. Tout ça, nous valeur Y qui est ici là. Nous pouvons faire LG de sa valeur là. Alors nous commençons LG 18.8 de N.27. LG 29.6 vin N.47, LG 46.9 li vin N.67, LG 74.1 li N.87, LG 117.2 li vin 2.07. Alors ben coordinates qui nous a pour plot, premier li pour 2 N.27, deuxième coordinates c'est pour 2.5 N.47, troisième coordinates c'est pour 3 N.67, next li pour 3.5 N.87. Et next, dernier, pour 4, 2.07. Next, alors nous plot, nous faisons un scale. Alors pour faire un gros scale, là, sur le pass graph, la meilleure façon qui nous capable de faire, c'est la horizontal axis, nous avons X. Nous avons pour plot, ben valeur 2, 3, 4. OK? Alors 2, petit valeur jusqu'à 4. Qui nous capable de faire? Nous pouvons commencer par 0. Là, on quitte 4 gros carrés. 1, 2, 3, 4. Et là, ça les représente N. OK, voilà même comme ça qui est encore 4 1 2 3 là les 2 comme ça, voilà même jusqu'à 4. OK, next the vertical axis, on a pour plot.
LGY, ça qui va faire ou quitte n gros carré pour représenter 0.n. Ok, ou aller 0.2, ou aller même jusqu'à 2.n. Ok, là ou plot. Next, vous faire ça, que je vais remettre ici, ou plot x, ici LGY, si vous plot, vous gagnez une straight line. Et que ça straight line là, n'a pas besoin que struck ben info marchant là-dedans. Nous finissons faire ça, ça c'est la première partie. Nous finissons plot. Et que nous montrer que y is equal to a b power x quand nous pouvons sketch les pouvons n straight line. Ok, nous pouvons plot LGY against x. Next, nous pouvons extract ben valeur 1 pour autant là-dedans. Première valeur c'est ou y intercept ou valeur c. D'après moi, mon graphe, nous pouvons gagner 0.46. Et next, pour gagner un gradient, nous pouvons prendre deux points sur coordinates low la ligne. Là. Deux points que nous prenons, nous pouvons prendre ça y intercept là même sur coordinates de 0. 0.46. Next, vous prenez l'autre point. Moi, point qui m'a gagné, c'est 4, 2.08. Ok, nous prenons ça deux points là. Nous avons gradient pour formule y2 minus y1 over x2 minus x1. Vous gagnez réponse pour moi, les pépines 0.405. Et question, j'ai servi au graphe pour votre valeur A et B. Et nous trouvons qui valeur M, gradient, il besoin LGB. Et gradient, nous gagnons 0.405, veut dire ou LGB pour égal 0.405. Ou prend LG ou avec l'autre côté, ou valeur B pour venir 10^0.405, ou vous trouvez que B, 2, three significant figures, il peut venir 2.54. Et que vous trouvez dans le marking scheme, vrai valeur B, exact, 2.5, mais il peut alors une valeur entre 2.4 à 2.6, et que mon valeur, il est dans sa range là, alors il est acceptable. Next, ou y-intercept li LGA et y-intercept pour trouver li 0.46. Alors, LGA pour égal 0.46. Ou avez LG le côté A pour venir 10^0.46. Ou vous trouvez qui A pour venir 2.88 correct to three significant figures. Et que si l'india valeur A, li peut accepter même valeur en 2.8 à 3.2. Pour moi, mon valeur li dans sa range là. Alors, ça c'est mon réponse pour question 12. Question 13. Two variables x and y are such that y is equal to ax power b, where a and b are constants. When ln y is plotted against ln x, a straight line graph is obtained which passes through these two points. Find the value of a and b. Ça c'est première partie. Alors nous lire phrase à nous essayer de comprendre qui, quand nous plot, qui l'indique, nous pouvons plot ln y against ln x. Là qui une straight line will be obtained et cette straight line là elle passe sur deux points, un point là dans c'est 1.4 5.8 et l'autre point là il pour 2.2 6.0. OK, alors nous organiser nous rod gradient first, nous là nous deux points 1.4 5.8, ça c'est première partie et deuxième point là il 2.2 6.0. Alors, nous avons gradient, nous label avant x1, y1, x2, y2. Nous avons gradient par formule y2 minus y1 over x2 minus x1. Y2 ici de 6.0, retirer y1 de 5.8, over x2 de 2.2, retirer x1 de 1.4. Alors, si nous évaluons 6.0, retirer 5.8, divise par 2.2, retirer 1.4, nous pourrons réponse 0.25. Next equation de format y est égal à mx plus c. Y est égal à m, nous gagnons 0.25 x plus c. Pour nous gagner valeur c, nous capable de choose one point là-dedans, nous capable prendre premier point là-même. Nous remplaçons x et y coordinate là-dedans. Y coordinate là, 5.8 égale 0.25 fois x coordinate de 1.4 plus c. 5.8 égale ici 0.25 fois 1.4 fait 0.35. Plus C, pour nous gagner une valeur C, nous avons 0.35 côté gauche, qui pouvait être 5.8, retirer 0.35. Valeur C pour venir, si nous faisons 5.8, retirer 0.35, réponse pour venir 5.45. Alors, equation of a line, y is equal to mx plus C, nous finissons gagner une valeur M, 0.25, x plus une valeur C, nous gagnons 5.45. Next, nous modifier de place y où vous trouvez dans ln y. Ln y is equal to de place x où vous trouvez. De place x qui est dans ln x. De vous venez 0.25 ln x plus 5.45. Ok, ça c'est nos equations. Allez, nous encadrer les.
ça c'est l'équation qui nous vient from graph. Et given equation, vous trouvez, given equation, vous avez y is equal to ax power b. Nous essayons de faire le même format comme ça, l'équation nous gagne là. Vous trouvez qu'il y a l'équation à ln. Alors, on applique ln on both sides. Ln y is equal to ln ax power b. Next multiplication law of logarithm, nous appliquons, devine ln a plus ln x power b. Ok, devine ln y is equal to ln a plus, nous descendons b en bas, devine b ln x. Nous rearrange, nous mettons b ln x d'avant, après plus ln a. Ok, next, nous relate cette deux équations là. Nous observons qu'il y a le même format, valeur b pour besoin égale 0.25 et valeur ln a. Nous pouvons bien équater avec 5.45. Nous avons ln à droite. Ln c'est log to base i. Et vous venez i power 5.45. Vous pouvez trouver qui valait a pour venir. Si nous évaluons i power 5.45, vous pouvez trouver qui réponse pour venir. 233 correct to 3 significant figures. Ça c'est première partie. Next, deuxième partie. Calculer the value of y when x is equal to 5. Nous equation, nous prenons nos equation, ni y is equal to ax power b. Nous remplaçons nos valeurs a les 233 x power, valeur b les 0.25. Nous remplaçons valeur x par 5, les vins y égale 233 fois x les 5, 5 power 0.25. Nos valeurs y, nous évaluons 233 fois 5 power 0.25. Vous trouvez qui réponse pour vin. 348 correct to 3 significant figures. Question 14. The variables x and y are such that when ln y is plotted against x, a straight line graph is obtained. This line passes through the points x égale 4, ln y est pour 0.20, x égale 12, là où ln y est pour 0.08. Alors si nous organisons cette information là, vous pouvez trouver qui, directeur qui nous plot, ln y against x. Alors si nous plot ça, straight line is obtained. Après, la ligne là, vous passez sur ça deux points là, quand x est 4, ln y est pour 0.20 parce que le vertical axis c'est dans ln y, est pour 0.20. Et quand x égale 12, ln y est pour 0.08. Alors quand x est 12, ln y est pour 0.08. Next. Nous pouvons prendre cette information là, nous pouvons prendre l'équation. Ok, nous prenons ces deux points là, nous avons 4, 0.20. Ça c'est la première partie, nous pouvons répondre. Et nous avons 12, 0.08. Ok, nous avons gradient first par formule. Ça c'est x1, y1, x2, y2. Ok, ça déjà va là, il n'y a pas y1, y2, c'est ln y1, ln y2. Mais pour ne pas abriter, nous évitons cette step là pour l'instant. Dernière ligne qui nous peut rester. Nous travaillons normal comme un objet de travail. M pour vin y2 minus y1 over x2 minus x1. Y2 li pour 0.08, retire y1 li pour 0.20. Divise par x2 li 12, retire x1 li 4. Alors si nous évaluons, nous avons 0.08, dans le numérateur 0.08, retire 0.20, divise par 12, retire 4. Réponse pour vin, négative 0.05. Next. Y is equal to mx plus c. Nous finissons avec un gradient. Gradient est négatif 0.05. X plus c. Next. Comment nous prenons c? Nous remplaçons n par mis à deux points là, les autres coordinates. Nous ne pouvons pas remplacer le premier point là même. Y là, nous pouvons remplacer par 0.20 égale négatif 0.05 fois x sur valeur 4 plus c. 0.20 égale, ici, si nous faisons négatif 0.05 multiplié par 4, il fait négatif 0.06 plus c, vous trouvez qui valait c pour vin 0.20 plus 0.06 valait c pour vin 0.20 plus 0.06 réponse vin 0.26. Alors equation y is equal to mx plus c, y égale m, nous gagnons négatif 0.05, x plus nous valait c dit 0.26. Next, nous modifier de place y et x sous peut trouver. Ln y de place y égale négatif 0.05. Et de place x, c'est dans x même, nous laissons x, divine x plus 0.26. Ça, c'est l'équation qui nous sort depuis nos graphs. Next, nous donnons une équation, une given equation, the y is equal to a b power x. Next, nous essayons de faire divine sa format, sa équation là.
vous trouvez dans ln là-dedans, nous mettons ln on both sides, c'est ln y égale ln a times b power x. Nous appliquons multiplication law, nous avons ln a plus ln b power x. Alors, nous avons ln y égale ln a plus nous descendons x en bas, nous avons x ln b. Alors, nous avons ln y égale, nous rearrange, nous avons ln b times x plus ici nous avons ln a. Next, nous avons cette équation là. Nous relate, vous trouvez qui ln b l'égale ln b l'égale négative 0.015. Valeur b pour vin, nous avons ln to the other side, vin e power négative 0.015. Valeur b pour vin, nous évaluons e power négative 0.015. Réponse pour vin, 0.985 correct to three significant figures, 0.985. Next, vous trouvez qui ln a pour égal 0.26. Ln a égale 0.26. Nous avons ln to the other side. Il pouvait e power 0.26. Valeur a pour vin. E power 0.26. Que nous évaluons to three significant figures. Il pouvait n.30. Next. Deuxième partie. Rod valeur y. Nous finissons avec a et b de la première partie. À cette deuxième partie. Rod valeur y quand x égale 6. Nous prenons sa équation la même. Ok. Nous répondons deuxième partie. Y is equal to a b power x. Y égale a ce valeur nous gagnons n.30 fois b ce valeur 0.985 power x. Alors nous soyez sa équation là pour répondre deuxième partie. Rod valeur y quand x de 6 nous remplacer y égale n.30 fois 0.985 power x nous peut remplacer par 6. Si nous évaluons n.30 multiplié par 0.985 power 6 to three significant figures, réponse pour une n.9. Next, troisième partie qui nous demande, rod valeur x quand y est n. Toujours même equation, y is equal to n.30 fois 0.985 power x. Nous remplaçons y là par n.n égale n.30 fois 0.985 power x. Nous avons ce terme là à gauche, il peut multiplier, il peut diviser n.n sur n.30 égale 0.985 power x. Next step, nous pouvons appeler log on both sides, il vient LG. N.n sur n.30 égale LG 0.985 power x. Alors nous descendons x en bas. Si nous descendons x en bas, il vient LG. N.n sur n.30 x fois LG 0.985. Nous avons LG 0.985. À gauche, il vient LG n.n sur n.30 divise par LG 0.985, ça qui peut égal x. Alors, si nous évaluons, il vient LG, ok, nous évaluons, il vient LG, et dans une fraction n.n divise par n.30 divise par, en bas, il y a LG 0.985. Réponse pour vin, si nous évaluons, nous recevons une calculatrice. Vous pouvez trouver two three significant figures. Réponse pour 11.n. Ça, c'est troisième partie. Question 15. When LGY is plotted against X, a straight line is obtained which passes through these two points. Find LGY in terms of X. Alors, question 15, première partie. Il peut dire qui, si nous pouvons plot LGY against X, a straight line is obtained. Et cette straight line n'a pas sur l'équipe 2 points. 0.6, 0.3. Et que l'autre point là, il est pour n.n, 0.2. Alors, nous avons ça deux points qui nous donnent là. 0.6, 0.3. Et le deuxième point là, il est n.n, 0.2. Alors, nous avons gradient sur la ligne là. x1, y1, x2, y2. y2 est 0.2. Retirer y1 est 0.3. Sur x2 dit n.n, retirer x1 dit 0.6. Si nous évaluons, 0.2 retirer 0.3 divise par n.n retirer 0.6. Nous avons une réponse négative 0.2. Négative 0.2. Next, equation in line. Supposons que le format y égale m. M dit 0.2, x plus c. Pour nous gagner c, nous ne pas remplacer ça point là sur x et y value. Y dit 0.3 égale négative 0.2 fois x dit 0.6 plus c. 0.3 égale, si nous faisons négative, 0.2 fois 0.6, nous avons une réponse négative, 0.n2 plus c.
OK, on va ça thème là à gauche, dépouvine 0.3 plus 0.12, réponse pouvine 0.42. 0.42 égale C. Alors, equation in line, y is equal to mx plus C, y is equal to m, nous gagnons négatif 0.2, x plus C, nous gagnons 0.42. Next, nous modifions pour trouver de place y et dans LGY, et x ça nous laisse séparer, dépouvine LGY égale négatif 0.2, x plus 0.42. OK, c'est ça même qui nous demandait express LGY in terms of x. Ça, c'est réponse pour première partie. Next, deuxième partie. Find y in terms of x, giving your answer in this form. Alors, si nous get sa formula, y égale a times 10 power bx. Allez, nous sais, fais sa équation dans de sa format là. Nous apply LG on both sides, giving LG a times 10 power bx. Next, nous applique multiplication law of logarithm, giving LG a plus LG 10 power bx, leaving LG y égale LG a, plus nous descend bx en bas, leaving bx LG 10, LG 10 vin 1, alors leaving LG y, nous rearrange, leaving bx plus LG a. Alors ça, si nous observe ça des équations là, nous relate, vous trouvez le même format, valeur b, le négatif 0.2, et LG a, pour besoin égal 0.42, nous envoyons LG to the other side, divine 10 power 0.42, approuvine, ça nous fait 10. Ok, nous capables, ça va être 10 power négative 0.42. Ok, 10 power 0.42, sorry, 0.42. Et ça nous fait 10 power 0.42, to three significant figures, divine 2.63. Ça, c'est valé A et B. Et question dire, de express y in terms of x de sa format là, le y égale a times 10 power bx, nous me manque valeur a et b, nous remplacer. Valeur a est 2.63 fois 10 power, valeur b est négative 0.2 fois x. Ok, ça c'est réponse pour deuxième partie.